Et yo tout le monde, ici Le Marteau, la chaîne de l'actu de jeux vidéo et des nouveautés. Et voilà, donc on continue la vidéo de The Pounds. Pounds, A Shelter to Game. Et on a contourné... oh voilà la petite grenouille. On a contourné le cygne là qui nous attaquait. Et je suis allé emprunter un autre chemin. Ah ah! On peut manger des œufs. Regardez, on peut manger les œufs du cygne. Elle va pas kiffer, hein. Miam miam miam. Ça t'apprendra pour ce que tu as fait la dernière fois. Allez, on se casse. Hop là. Vengeance. Vengeance. Oh, j'ai mangé une petite grenouille. Et on va miauler. On va continuer par là. Il y a encore ces cygnes. Ils vont pas nous emmerder longtemps, ceux-là. Est-ce que je me serais pas perdu? Hey, il me regarde de travers en plus. Hein. Où il y a un gros œuf là. Faut pas l'attraper par hasard. Oula, il est pas content du tout. Hein. Je sais pas pourquoi, mais cet œuf, je sens qu'il faut l'attraper, non? On peut aller dans l'eau. Ça se tente, ça se tente. Elle voit rien. Elle m'a pas vu. Right bumper. C'est pas right above. J'ai débloqué un truc, mais je sais pas trop ce que ça fait. Ouais, on n'est pas bien là. C'était son œuf ou c'était pas son œuf? Bon, nous. On se casse dans tous les cas. Je sais pas, il doit y avoir un truc, il doit y avoir un puzzle. Ouais, ouais voilà, apparemment il faut débloquer des choses et ça fait débloquer un puzzle de choses. Ouais. C'est vrai qu'il avait écrit que c'était un puzzle game. Mais pour le coup, j'ai pas vu que j'avais débloqué un truc. Et là? Ouais, il y aurait un truc à gauche. Qui ressemblerait peut-être à un œuf. C'est... ouais. Oh! Saving. On se débrouille pas mal quand même tout seul.
On se débrouille pas mal. Elle va péter. Pourtant, c'est fait exprès. Waouh! Pas faire un double jump? Peut-être plus tard. Bon, c'est quand qu'on débloque un peu des skills? C'est quand qu'il y a des... C'est quand qu'il y a des épées à deux mains? Mec, quoi. Et qui joue avec des petits chats, il veut une épée à deux mains. Ouais, t'es bien un petit chat avec des épées à deux mains. En plus D, tu sais. Ouais, là on est arrivé où, là? Oh, il y a un lézard. Ouais, j'ai envie de partir de ce côté-là, plutôt. Ouais, et je pense que je fais bien. Alors là, il y a des champis. Pim. On n'a pas de barre de faim, ni de soif. Oh, les corbeaux, c'est pas bon. On a un petit chat, on peut se faire attaquer par beaucoup de choses. Est-ce qu'on va devenir plus grand? C'est pas dit. Il me semble que j'avais vu dans le trailer, après on pouvait avoir un petit compagnon, c'est un petit ours. Et là, ça peut commencer à être rigolo. Parce que le petit chat, il peut miauler. Oui, petit chat. Tu vas aller voir ton petit copain, ours? Voilà. Eh ben. J'espère qu'après on va manger un bon gros steak. On a fait du chemin là-haut. On peut manger les fleurs. Parce que les chats, ils mangent les... se purger sur les plantes. J'ai envie de me purger, moi. Bon, mais là, on va super haut. Oui. On est presque arrivé. Ok. Ils veulent qu'on fasse le saut de la mort. Eh ouais. Peut-être ça qu'on a eu avec l'œuf. Gros saut, quoi. Apparemment, je pense que ça sert à rien d'aller dans les endroits où on nous indique pas d'y aller. On va continuer là, le chemin. Ah. Il y a même un chat. Oh, on va dormir ici. C'est ce qu'il croit. Il a déjà si jeune et déjà il a des hallucinations. Pas bon délire quand même, j'ai envie de dire. Pas bon délire du tout. Bon, là, il décrit toujours l'atmosphère. Oh, putain. Waouh! On a marché dessus, quoi. Oh, il y a des loups? J'ai des loups. D'accord, mais je suis tellement petit que... Je pense que je ne suis pas du tout une proie. Oh, oh. Il a eu mal, le petit chat. Oui, on est arrivé. Ah, je vois un truc là-bas. Et c'est quoi ça, déjà? Il le mange? Il le sniffe, non? Je crois qu'il y a un ours, non, là?
parler d'un ours, il trouve un ours. Oh, il y a l'ours. Et alors? Et alors, petit ours? Ben, je suis là. Oui. Il faut tourner autour. Ouais. Oh, il veut manger, le petit ours. Ne t'inquiète pas, je vais te trouver un petit oiseau. Et voilà! Qu'est-ce qu'il y a? Comment on fait pour lui donner? Non, là je pense... je pense qu'il a bouffé. Il a bouffé pour lui, là. Ouais, j'ai compris, il veut grailler, ouais. Ah, il fallait que je le relâche. Eh oui. Et non, moi je l'ai bouffé. Ok. Où est-ce qu'il y a... Ok, non, là. Oui, on a compris. Mais j'étais sur le point de chasser, là. Ouais, remets-moi la caméra. Putain, il m'a enlevé le pain de la bouche, quoi. Voilà, ça prend du temps pour chasser. Alors, on se met là. Et hop, on appuie sur X. Voilà. Ils n'expliquent rien au niveau des touches, mais... on saurait douter. On peut lui faire un petit gâté? Oh, tu. Hop, on lui tourne autour. Ça veut dire qu'on est content. On va pas jouer avec lui? Ok. Peut-être qu'il va nous suivre, non? Peut-être c'est plus tard. Mais là, ça on peut pas le sauter, ça. Ah, vous croyez qu'il en veut encore? Gros ours. On partage? Ok, il en voulait encore. Et alors? Combien il faut lui en donner? Ah, on commence à être potes, j'ai l'impression qu'il y a la petite musique. Encore un, on est potes, je pense. Ah! Hold the jump. Ok. Ok, je pense qu'il fallait lui donner un dernier petit oiseau pour qu'il se mette debout, et là... Ouais, je suis sur mon ours. Et alors? Mais... Il est pas content. Ah, il m'a emmené là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais... Je ne contrôle pas du tout cet ours. Ah, il faut qu'il mange. Oh d'accord. Ouais, moi aussi. Oh, on a un nouveau compagnon, on s'amuse avec lui. On peut le basculer?
Et je pense qu'il faut qu'on aille là-bas, non? On va lui donner encore à manger, je pense que il a faim. Non, petit ours, ça marchera pas comme ça. Voilà. Tiens, je te l'ai attrapé. Ici. Bon, maintenant, on va où je veux, moi. Allez. Pas kiffé. Il aime pas. Je crois qu'il aime pas quand je lui monte sur le dos. Ah, il me suit, non? Voilà. Parce qu'il faut qu'on aille là. Il me suit. Je pense qu'il faut qu'il me jette là, là. Voilà. Allez. Oh. Je vais lui dire merci. Oh, il miaule moins bien. Je pense que c'est le petit coup qu'il a pris du cygne, je pense. Ah, il faut que je l'aille aider. Ah non. Ah, j'ai compris. On va passer à deux. Oh. Eh ben oui. Ensemble. Ten 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 ten. Ah d'accord, et lui il bouffe les berries et du coup on peut passer. Oh là là, c'est énorme. Ta-da. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Ce jeu est assez intéressant, c'est assez calme et reposant. Et puis, effectivement, je viens de comprendre là que c'est vraiment un puzzle game. Avec, il n'y a pas d'effet de survie, il n'y a pas de chasse, comme peut-être justement Shelter 2, qui était plus orienté comme ça. Là, c'est plus, on est perdu, et puis on a un petit compagnon, voilà, on résout des énigmes. On fait une aventure, avec... Il y a une histoire, c'est vrai qu'il y a une belle... Il y a une histoire qui est assez sympathique. C'est sympa à suivre. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'ai créé un groupe sur Steam qui permet donc qui vous permet de communiquer avec moi directement. Et puis vous pouvez me donner votre ressenti. Puis par exemple me dire s'il y a un jeu qui vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dessus. Voilà, si vous avez des nouveautés, si vous voyez des jeux qui ont l'air d'être sympa ou quoi, eh ben ça sera un peu notre plateforme pour communiquer. Et puis si vous avez aussi des problèmes ou des questions à poser, voilà, je pourrais y répondre dessus. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas Facebook et donc du coup ça aurait pu poser problème. Là avec le groupe Steam, on peut résoudre tout ça. Voilà voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao ciao. Thank you.